Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses se sont passées en politique, autant provinciale que fédérale, depuis notre dernier entretien au printemps passé. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'analyste politique que vous connaissez bien et que je recevrai aussi environ une fois par mois, une fois par 5 semaines au cours de la saison 2008-2009. Alors, Damos, M. Jean-Louis Carignan. M. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Passez un bel été, M. Jean-Louis. Très bien. Très bel été, camp de chasse beaucoup, même si c'est pas le temps de la chasse, mais je sais que vous êtes un passionné de la forêt puis du plein air, comme Même on du plein dit. air, Du de la plein air, pêche. J'ai de la passé les pêche. vacances en Abitibi. Bravo. Jean-Louis, bon, il s'est déclenché des élections fédérales, tout le monde le sait. On va aux urnes le 14 octobre prochain. Dans votre optique à vous. Qu'est-ce que ça peut donner? Là, il faut préciser que l'émission, bien là, on est aujourd'hui le 23 septembre, c'est dans 3 semaines le vote, mais si on extrapole un peu, ça peut donner quoi comme élection fédérale? Parce qu'on parle, il y a des sondages qui amènent les conservateurs à une majorité. Le sondage suivant amène les conservateurs minoritaires. Un sondage donne le Parti conservateur en avance au Québec. Un autre sondage va donner égalité avec le Bloc ou le Bloc très peu en avance en TK. Ça joue au yo-yo un peu, mais votre opinion à vous, qu'est-ce que ça peut donner le soir du 14 octobre, malgré que c'est dans 3 semaines, mais on voit une certaine tendance? Oui, les tendances, jusqu'à maintenant, les derniers sondages disaient que le Parti conservateur avait une avance, dépassait le chiffre magique de 40 %, ce qui donne C'est ce normalement qui donne un un gouvernement gouvernement majoritaire. C'est ça. majoritaire. Et d'abord, d'entrée de jeu, la campagne fédérale, c'est assez nouveau de la façon que ça se produit. C'est un cirque. Eh oui. On évite les débats de fond, selon moi. Et on assiste à une pluie d'injures et Cette d'attaques année, c'est personnelles. un peu Oui, spécial. d'attaques Cette année, là, personnelles. on s'en va sur YouTube, on s'en va là, dans des sites Internet où c'est, excusez l'expression, mais c'est un peu dégueulasse. Peu importe le parti, là, moi je m'en fous complètement, mais on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. On se crie des bêtises ou presque. C'est quoi qui se passe cette C'est année? des attaques personnelles, Oui, exactement. à peu Des près choses partout. qui ne devraient pas se faire en campagne électorale. Oui. C'est pour ça que je dis que cette campagne fédérale-là est assez bizarre. Les gens. J'ai l'impression que. Puis tout à l'heure, je vais revenir sur un autre sujet à l'intérieur de Oui. ça. Je pense qu'il y a un manque de respect. Oui, sûrement. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui me laisse à dire tout d'un coup que notre démocratie est malade. Parce qu'une élection devrait être, selon moi, je ne suis quand même pas un spécialiste, ça devrait être dire, on fait l'évaluation de ce que le gouvernement a fait. Et vous êtes Premièrement. placé pour en parler, Jean-Louis, parce que vous vous êtes présenté 2 fois Oui. en élection. Je ne veux pas revenir sur ça, mais c'est parce que ce que vous dites, vous savez ce que vous dites. Moi, j'ai suivi votre campagne électorale contre M. Gendron, entre autres. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle dans ça, ou à peu près. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Donc, c'était une campagne propre. Parce qu'on est allé chercher les vrais. Ce qui se passe dans le comté directement, on a sorti les plus et les moins. Mais M. Gendron ne s'est pas attaqué à vous. Vous, vous n'êtes pas attaqué à M. Absolument Gendron. pas. Mais on ne voit pas ça de cette année-là, au Non, parce fédéral. que un principe que moi j'avais, probablement que mes adversaires l'avaient aussi, en tout cas dans le comté, c'est que j'aime mieux perdre debout que gagner couché. OK. C'est une expression Oh, que j'ai, oui. mais pour moi, les attaques personnelles, ça ne devrait pas exister en politique. Une élection devrait être, une première partie de l'élection, le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, C'est ça. qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce que Exactement. chaque député à l'intérieur du comté a fait pour son comté, parce que c'est le représentant. Oui. La deuxième partie d'une campagne devrait être un programme électoral, de dire, Si je moi, suis élu, je fais quoi? je m'en vais dans cette C'est ça, direction-là, exactement. dans cette direction-là, dans plusieurs points de vue. Des débats de fond que je vais revenir là-dessus. Et c'est ça que la population devrait être capable de juger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fera? C'est d'abord Oui, et uniquement ça. parce Et que. laisser tomber tous les sondages, laisser tomber à peu près. Laissons la population libre de penser. Exactement.
libre de penser. Et là, ce qu'on voit, on a des groupes minoritaires, on a des groupes qui sont là, puis on a des attaques personnelles de façon à ce que la population, quoique j'ai confiance quand même à la population là, disons qu'ils n'écoutent pas nécessairement tout ce qu'on peut dire à la télévision. Oui. Mais il reste que, donnons-leur encore plus la liberté d'analyser. C'est ça devrait être une élection. Dans une démocratie, ça devrait être ça. Et non, une destruction systématique d'individus ou de personnalités. Et on est rendu quasiment à dire, écoute, il est mal peigné, il ne sera pas un bon premier ministre. J'exagère. Non, mais ça ne fait rien. C'est rendu presque ça, presque tout simplement. Il s'habille mal. Puis, s'il y a des gens qui n'ont pas le goût de la personne, ben, écoute, il peut être intelligent, la même chose. Jean-Louis, si on va rester en politique fédérale, puis dans le comté, Abitibi-Témiscamingue, bon, on sait qu'il y a 5 candidats. Oui. On sait que M. Lemay était bien en selle lors du déclenchement avec au-delà de 14 000 voix de majorité. Oui. Monsieur Gilbert Barrette qui revient en politique. Vous savez c'est quoi que faire un retour. C'est des fois c'est pas facile, absolument pas. Mm. Alors Monsieur Barrette qui revient en politique, Madame Moore qui revient pour une deuxième élection également, Monsieur Pierre Grandmaître qui me semble qu'il est rentré tard dans la course un peu. C'est parce qu'il y a eu différentes affaires. Dans le comté, Abitibi-Témiscamingue, comment Jean-Louis Carignan perçoit cette élection-là? Ben écoutez, c'est une élection qui est tranquille dans le comté. Oui, très, très, très. Très tranquille. Oui. Ça ne lève pas. Ça ne lève pas du tout, du tout. Ce qui n'empêche pas les candidats, probablement, de faire beaucoup de porte-à-porte. Sûrement. Mais si on parle au niveau d'un débat public, là, ou d'une présence publique télévisée, ça ne lève pas. Mm. Ça ne lève pas. Tout ce qu'on entend, c'est un débat, pas un débat. C'est au niveau national, quelques personnes qui en parlent, beaucoup, beaucoup d'informations au niveau journalistique et qu'on permet à des candidats de s'investiguer, de chanter, de donner des insultes, de s'insulter. C'est dans le fond, c'est ça. Donc, mais ici, dans le comté, puis je pense que c'est la même chose du côté de... Allons-y pour Val-d'Or, rappelons-le comme ça. Là. Okay. C'est la même chose, on n'entend pas beaucoup de choses. On n'entend pas M. Lévesque, on n'entend pas M. Maître, qui est son principal adversaire, il faut le dire. Ici, on n'entend à peu près rien du tout. Puis même, je prenais NRC Media qui disait ça ne lève pas. On a de la difficulté à centrer les candidats. On est obligé d'aller les voir quasiment. Il n'y a rien qui lève dans cette campagne-là. Et je me demande pourquoi. Est-ce que on a 5 élections, là, à peu près, là, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on a quasiment une parade. Fait que les gens... Jean-Louis, est-ce que les gens sont blasés des élections, autant le provincial que fédéral que municipal, n'importe quelle élection? Scolaire, vous rappelez, on avait une émission là-dessus. Est-ce que les gens sont blasés de ça? Est-ce que les gens sont tannés d'aller aux urnes? Je ne sais pas si les gens sont tannés ou si les gens ont perdu... le goût de la politique. Je lisais un article, et c'est absolument incroyable de voir ça. Par exemple, un certain sondage qu'il y a eu au niveau de la presse. Les 18-30 ans. OK. Les 18-30 ans n'iront pas voter. Les 18-30 ans sont tannés, ne parlent, sont pas politisés du tout. Ils ne sont pas du tout intéressés. 40% des jeunes sont peu intéressés de cette catégorie d'âge-là. 40% sont peu intéressés et ensuite 20% ne sont pas intéressés du tout. D'où ma question peut se porter sur ça, M. Jean-Louis, c'est que est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ça lève le pas. Bloc est en difficulté au Québec? Je pense que c'est, oui. La question à ça, je vais répondre directement oui. Mais pourquoi est-ce qu'il est en difficulté? Autant, vous parliez tout à l'heure, autant au niveau municipal qu'au niveau scolaire, au niveau provincial, le directeur des élections fait toutes sortes de pirouettes pour être capable de dire « je vais permettre aux gens d'aller voter pour augmenter le nombre de votes ». Bon, s'es-tu posé la question? Pourquoi
réellement n'ont pas voté. C'est pas une question de manque de temps. C'est pas une question de disponibilité. C'est une question de crédibilité. C'est ça. Pourquoi? C'est parce qu'on revient pas aux valeurs fondamentales de dire c'est le peuple qui choisit. Là, maintenant, ceux qui choisissent, on a beaucoup d'informations au niveau des médias. On a aussi un groupe qui est très, très fort, ce qui est au niveau des artistes, oui, qui monopolise beaucoup la scène politique, dans le fond, qu'on le veuille ou pas, mais c'est exactement comme ça. Et on laisse aux gens, au peuple, de dire, essayer de comprendre à l'intérieur de ça. Oui, et ça, je suis bien d'accord avec vous, Jean-Louis. Puis, si on regarde, là, qu'on a 5 élections, puis si on regarde sur les fils de presse qui est sorti en fin de semaine, il n'est pas dit qu'au provincial, nous n'aurons pas d'élection en novembre. Il n'est pas dit ça, parce que M. Charest attend juste sa rencontre avec M. Sarkozy, 17, 18, 19 octobre, sur échange Québec-France. Oui. Il va se prendre des décisions, là, qui vont être très importantes pour l'avenir du Québec. Alors, il attend ça pour possiblement déclencher. Puis l'affaire aussi du président de la Chambre, oui, c'est loin d'être maintenant. C'est pas réglé encore. M. Charest est insulté qu'on ait refusé M. Marcoux. L'ADQ n'a pas voulu. On n'embarquera pas là-dedans, là. Sauf que il y a des petites... ça marche pas. Le M. Charest est pas trop de bonne humeur. Les sondages lui sont excessivement favorables, même si on fait un entrefilet, là, entrefilet au provincial. Ben oui. Là, mais M. Charest regarde les sondages. Selon ce qu'on peut voir, il serait possiblement majoritaire. Et puis, l'ADQ prendrait, comme on dit, excusez l'expression, mais une culbute terrible. Il regarde ça, puis je suis pas sûr qu'il va attendre au printemps. Moi. Fait que là, on peut aller avec une 6e élection. Oui. Oui, c'est possible qu'on revienne avec une 6e élection. Et ce que je trouve, je vais continuer au niveau du sondage. Oui. 18-30 ans, c'est la classe actuellement qui soit est ou sera maintenant l'avenir. Oui, exactement. Quand on parle de politique, les gens font un petit peu l'amour parler de politique, de dire, écoute, bon, non, politique, c'est sale, etc. Mais attendons-nous, là. Les politiciens et la politique, c'est deux choses. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et cette classe de personnes-là devrait absolument s'occuper de ça. Parce que les politiciens, qu'on le veuille ou pas, le lendemain de l'élection, c'est eux autres qui dirigent. Oui, c'est évident. Et à ce moment-là, c'est eux autres qui prennent des positions ou des décisions qui vont faire en sorte que l'avenir de mon village, de ma ville, de ma province ou de mon pays. Oui. Donc, il ne faut pas se désintéresser. Il faut absolument. Mais les politiciens, est-ce que les politiciens font exprès pour exclure une partie de cette clientèle votante? On peut se poser la question. Posons-nous cette question-là. Oui. Parce que si je regarde, 80% dans l'article, je vois 80% des gens qui votent ont autour de 50 et 60 ans. Et ça, c'est des gens qui sont acquis aux partis politiques. Donc, on n'a pas le temps d'aller s'occuper des autres, parce que les élections sont trop fréquentes. C'est vraiment pas... C'est extrêmement... Faut absolument se poser des questions. Oui, exactement. Puis avec un pareil sondage, quand vous dites on n'a pas le temps, autrement dit, d'aller chercher les jeunes de 18-30 ans, parce que les 50-60 nous sont acquis, travaillons avec eux autres pour garder nos acquis. Puis les autres, bien, ils sont pas intéressés, on le voit, ils sont pas intéressés, donc très peu vont venir voter, ils nous dérangent pas beaucoup. Dans l'ensemble, c'est ça? Oui, et ceux qui vont aller voter, les 20% de ces jeunes-là vont aller voter, leur position est bien claire. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est les baisses d'impôts, développement économique, plutôt que de parler de protection de l'environnement ou parler de différentes autres choses. Donc, à partir de là, imaginez que si on part comme ça, le débat est bien facile. Oui, et sûr. On s'aperçoit que lors de l'élection, c'est beaucoup plus des attaques personnelles. On ne touche pas au vrai débat. Le vrai débat, selon moi, devrait être, d'abord, je reviens, et le bilan. On devrait parler d'environnement. On devrait parler de la crise mondiale, parce que la crise mondiale, actuellement, la crise économique, au niveau de la crise américaine, au niveau de l'immobilier, la crise monétaire? Ben, si on regarde sur les fils de presse, Jean-Louis, hier ou avant-hier, on se reporte au 20 septembre ou environ, M. Bush, avec son plan pour sauver la crise économique, 700 milliards, il est prêt. 700 milliards? 700 milliards, là, c'est pas 700 millions, là. Non, c'est 700 milliards qui est prêt à investir. Mais là, les banques ont dit, whoop, un instant, là, on va reviser avant. Là. Fait que quand tu es rendu, allez. Vouloir injecter 700 milliards pour sauver une économie
d'un pays, c'est parce que ça ne va pas bien. Parce que ça ne va pas bien. Ah non, absolument. Et vous savez, absolument l'expression pas qu'on dit, quand les Américains ont la grippe, c'est nous autres qui toussent. Ah oui, c'est ça. On tousse fort. Donc, oui, ça, c'est un débat d'actualité, là. Exactement. C'est l'actualité qui va toucher pour les 4 prochaines années. Oui. Regardons aussi du côté européen, des 45 milliards d'euros qui ont été injectés, oui, pour, venez-vous, de stabiliser l'économie et essayer de retarder le plus possible cette crise mondiale-là. Oui. Monsieur Jean-Louis, on va laisser le fédéral complètement, si vous me permettez, puis on va parler d'un dossier excessivement important en espérant que ce dossier-là va se régler. J'espère que ce ne sera pas une fermeture et une faillite définitive, Temelhan, que ce soit au Témiscamingue et dans votre ville, Amos. On parle de 220 quelques personnes qui ont perdu leur emploi. J'aimerais juste, très vitement, votre opinion sur ça. Bien, pour une place comme Amos, c'est extrêmement grave, c'est dangereux, c'est absolument, ben, c'est terrible. C'est la roue, là. C'est pas rien qu'une centaine de personnes, mais c'est tout ce que c'est. C'est tout ce qui entraîne dans tout. Et ça, on revient à ce qu'on parlait tout à l'heure. La crise mondiale nous touche jusque chez nous, jusque dans nos familles, jusque dans nos, oui, dans nos portefeuilles. Oui. Ben oui, parce que si les Américains n'avaient pas une crise du... L'immobilier. Oui, exactement. Peut-être que là... On n'aurait pas vu ça. Hein. Parce que l'on parle de troisième transformation, ces usines-là de Ville-Marie, oui, et d'Amos. Et c'est la troisième transformation. C'est, la troisième. C'est de prendre l'arbre, puis le rendre immédiatement apte et l'exporter, le oui, travailler. C'est et c'est là que ça nous touche. La crise immobilière, on disait, oh non, non, ça ne touchera pas. On entendait, dire, oh non, 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 ça ne sera pas si grave que ça. Elle nous touche chez nous, là. Ben oui, elle nous touche chez nous. Elle nous touche beaucoup, beaucoup, en plus de ça, parce qu'on parle de moulins qui ferment, on parle d'exportation de bois qui se fait de plus en plus difficile aux États-Unis. Hein, les cours à bois sont pleines. Sont pleines. Je m'excuse pour les quelques moulins qui fonctionnent. Oui. Les cours sont pleines. Écoutez, notre marché le plus immédiat, c'est les Américains. Oui, on va exporter sûr, en Asie sûr, un peu, on va exporter en Europe, mais écoute, il y en a du bois aussi dans le nord de l'Europe, là, dans ce sens-là. Alors, on espère très, 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 très fort que Temelhan, on parle d'un rachat possible au Témiscamingue par les employés, je ne sais pas où j'ai rendu, je ne vais pas aller en profondeur là-dedans parce qu'on n'a pas trop de résultats à venir à date, mais on espère. Mais même là, un rachat immédiatement, soit par les employés ou soit par une autre compagnie, avant de mettre en exploitation ou de continuer l'exploitation, il va attendre que le produit sorte. Il va attendre qu'il y ait un acheteur. Bien oui, c'est sûr. Écoutez, ça se fait pas demain. Ça se fait pas demain matin, ça. En plus de tous les problèmes techniques d'une faillite, c'est sûr, le syndic ou etc. Le syndic, c'est qu'on peut pas arriver du jour au lendemain et dire, OK, la faillite est réglé, on repart. Non, là, ça se fait pas comme ça. Alors, et aussi, les investisseurs qui étaient à l'intérieur, ils perdent aussi. Oui, c'est sûr. Et ça aura sûrement comme effet de ralentir un certain nombre. Et dans ça aussi. Le GF est dans ces beaucoup d'argent. Et les petites entreprises qui travaillaient pour Tembec, ou Temelab plutôt, parce que, écoutez, combien ont-ils perdu? Est-ce qu'ils sont capables aussi d'être capables de faire face d'autres investissements. On espère que ça va se régler parce que c'est excessivement important et on souhaite un règlement dans cette faillite-là. On va aller en politique provinciale, Jean-Louis, si vous me permettez. Déclaration de François Legault qui disait de reporter l'option souverainiste à plus tard et même la mettre carrément de côté. Tout de suite, le lendemain ou le surlendemain, il y a eu un sondage où un petit peu plus que 6000 personnes ont reçu un appel pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de cette déclaration-là. Et j'ai été excessivement surpris parce que 73% des gens ont dit que c'est correct, qu'on mette ça de côté, c'est pas le temps pour tout de suite de parler de ça. Ouais. À ce moment-là, les gens disent « donnons une priorité à l'éducation, à la santé ». Donnons des priorités, là, puis on verra. Quand il n'y aura plus de problème en santé, quand il n'y aura plus de problème en éducation, quand il n'y aura plus de problème à l'environnement, là, on s'assoira, puis on dira, bien, regarde, on est-tu mieux d'être un pays ou de rester une province? Là, on pourra en parler. Mais 73% en disent pour suite, mets ça de côté. À ce moment-là, le Parti québécois devient un parti ordinaire. Moi, j'aimerais avoir votre opinion. Oui. Le Parti québécois va devenir ou est en train de devenir un parti ordinaire. Rappelez notre dernière émission, on parlait justement de ça. M. Legault, probablement que les informations qu'il avait étaient peut-être plus branchées qu'on pouvait penser.
C'est sûr qu'il s'est fait rébrouer depuis ce temps-là. Écoutez, ouais, on l'entend pas depuis ce temps-là. Il s'est fait ramener à l'ordre. On lui a dicté là, les prochains discours, hein, évidemment. Maintenant, tu vas dire 1, 2, 3, puis tu vas les répéter pour être bien sûr que tu ne changeras pas d'idée. C'est clair qu'on a vu d'autres politiciens de son formation politique qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il reste que le sondage, c'est 6 000, on ne parle pas là d'un sondage de 500 personnes. Non, on parle, j'ai marqué 6 000, mais c'est 6 023 personnes, ah oui. Si je me souviens bien, là. Fait que c'est 6 000 personnes. C'est ce que la population dit. Et ça, les politiciens devraient être, là, en prendre compte, comprenez-vous ce que vous dites, devraient être, selon moi, à la fine pointe de ce que les gens disent. Parce que, c'est clair, il y a deux façons en politique. De façon autoritaire de dire, moi, je m'en vais comme ça, puis que là, ça, c'est certains pays qui ont ça. Oui. Maintenant, une démocratie, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que la population veut? Il faut faire attention quand même de pas partir en disant, ben écoute, là, tu veux-tu que je vire à gauche, je vire à droite, c'est pas ça. Mais la tendance veut que les gens veulent parler d'éducation. Ils veulent qu'on règle le problème d'éducation. Qu'on arrête de se tirer puis de dire, écoutez... Puis la santé, pareil, on veut régler ces problèmes-là avant de dire, bien là, est-ce qu'on est mieux, on serait mieux d'être un pays ou une province? Il reste un fait pareil, c'est que le Parti québécois, avec cette déclaration de M. Legault, qui est lourde de conséquences pour sa formation politique. Je vais vous donner, moi, juste un exemple, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, Jean-Louis, c'est que si on décide que l'on met, on dit, on met ça de côté pour, je ne sais pas, 10 ans à venir, donc ça ne presse pas, là, regarde, au calendrier grec pour de suite, là, OK? On met ça là. On se revient d'abord, par exemple. Le bloc à Ottawa, on fait quoi avec à ce moment-là? La question est fort pertinente. Et à partir du fin d'octobre, on pourrait peut-être en discuter plus, parce que là, à ce moment-là, on fait de la politique là, comme telle, puis je ne voudrais quand même pas qu'on influence le prochain débat du 14. Mais il reste que la question qui... vous le voyez dans la campagne électorale, la pertinence. Autant les partis politiques disent, écoute, il n'y a plus d'affaires là, autant que le bloc se dit... Moi, il faut que je trouve une raison d'être. Et la quand tu es obligé de justifier ta raison d'être, c'est se poser la question et s'y répondre, comme tel. Exactement. Monsieur Legault a donné, d'après moi, la gifle était plus forte que M. Brassard de sa déclaration. Oui, c'est sûr. Oui, beaucoup. Fait que, allez, on n'en parlera pas beaucoup, beaucoup plus que ça, parce que, comme vous le dites si bien, Jean-Louis, on ne veut pas influencer le vote, là, mais... à votre prochaine visite, qui devrait être fin octobre ou environ, à votre prochaine visite, là, on aura les élections seront choses du passé. On fera l'analyse. On aura le nombre de comtés que le bloc a eu au Québec, le pourcentage, etc. Là, on pourra faire une analyse beaucoup plus en profondeur. Là, on n'en parlera pas plus que ça, que je suis content que vous ayez dit ça. On ne veut pas influencer le vote de personne. Alors, on va laisser ça. De côté. Sur la glace, même si il fait beau encore aujourd'hui. C'est l'été. C'est l'été. Donc, on va laisser ça là, mais on revient, par exemple, à la prochaine émission. Jean-Louis, l'avenue de Yves Bolduc comme ministre de la Santé et le départ de Philippe Couillard. Bon, ça a fait couler au début beaucoup d'encre, mais tu n'es qu'au oups, ça s'est tout apaisé. Puis, c'est certain que M. Couillard visait le poste de chef du Parti libéral. Ça, c'est sûr et certain. Ça, tout le monde le savait. Lui, il voulait être premier ministre. Puis ça, c'est pas une cachette, là. Absolument pas. Après la dernière élection provinciale, où M. Charest était à 27 % dans... aimez-vous, M. Charest, bon, etc. Mais oui. M. Charest était à 27 % le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction au mois de septembre, il est de 62 % pour M. Charest. Donc, M. Charest est bien en selle. Fait que M. Couillard, moi, je l'ai admiré parce qu'il n'a pas fait de vague du tout, mais il s'est dit sûrement, ouais, à 62 % il s'en va vers une autre élection, il est en selle, moi, là, avant que je puisse penser de le remplacer, il va se passer 4, 5, ouais. Peut-être 6 ans, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, M. Couillard... Je l'ai admiré parce qu'il est parti sans faire de vague. Bon, bonsoir et merci. Sauf que je me demande qu'est-ce qu'il fait au privé parce qu'il a vraiment vanté le public, le système de santé. C'est quoi ça? On en reviendra là-dessus. Moi, votre opinion sur ça,
Jean-Louis, moi, la venue aussi de Yves Bolduc, on sait que Yves Bolduc est un très grand ami de M. Couillard, la première des choses. Puis bon, c'est quoi votre position là-dessus? Bon, d'abord, au niveau du départ, d'aller travailler, quand tu quittes le monde politique, il faut que tu continues à gagner ta vie. Oui, c'est sûr. Donc, maintenant qu'il y a le travailler, puis on le voit dans beaucoup de choses, hein, vous voyez, par exemple, des anciens chefs de partis qui s'en vont travailler dans les entreprises. Ça, parce que là, le jour où tu fermes les livres au niveau de la politique, selon moi, on devrait fermer la porte et dire, écoute, on le reverra quand il va revenir en politique. Mm-hmm. On lui posera ces questions-là. Maintenant, M. Bolduc, rappelez-vous, à la dernière campagne électorale, il était candidat. Oui. Oui, il était battu. Oui. Et il était battu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ah oui, mais ça prend des gagnants. Ben oui, perdu, oui, monsieur. Ben oui, c'est ça. Il y a eu, et c'était une personne qui était ministrable à ce moment-là. Et, sûrement. Le premier ministre ne s'en était pas caché. Mais devant les résultats de l'élection, disons que là, ça change la donne. Et M. Couillard a été renommé comme ministre de la Santé. Je ne suis pas sûr que ça faisait tout à fait son affaire. Parce que M. Couillard avait vanté les mérites de M. Bolduc en disant, écoute, c'est probablement notre futur ministre de la Santé. Il y a un politicien, moi, qui m'a dit, M. Jean-Louis, que la dernière année de son mandat, M. Couillard ne voulait plus du tout être ministre de la Santé. Il ne voulait plus. C'est sûr qu'il a continué ses dossiers, là, parce que c'est un ministère excessivement important, on le sait. C'est 47% du budget du Québec au moment. On serait pas rendu à 52, ou, pour ça? Ou peut-être à 52. Oui. Là, ça montait, à 52. Bon, et ça, autrement dit, c'est le poste le plus important. Oui. Après la présidente du Conseil du Trésor et le premier ministre. Écoutez, bien ministre. Et il y a un politicien, moi, qui m'a dit que c'est... C'est un tumonde, ça. C'est ça. Exactement. Prendre cette expression-là, ça peut être mal. Oui, c'est mais ça, exactement. Ça. Oui. Et selon moi, autant que la population, autant que les gens disent, écoute, on change trop souvent de ministre dans certains domaines, le ministre de la Santé ne peut pas, selon moi, faire même tout un mandat de 4 ans, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est vaste, tout tombe sur son dos, la moindre erreur d'un hôpital, c'est de sa faute. La moindre erreur médicale devient responsable. En terminant, parce qu'il reste très peu de temps, Jean-Louis, même la venue de M. Bolduc ne réglera pas tous les problèmes en santé, là, parce que les problèmes sont beaucoup plus profonds. Ce ne sont pas les problèmes d'un homme, ce sont les problèmes de tout un ministère complet. Et d'une population. Et d'une population, parce que on a plus d'infirmières, on manque de médecins. Pas parce que lui est là, demain, qu'on va avoir 2000 infirmières. Absolument pas. Écoutez, regardez les médecins étrangers, comment ils ont de la difficulté. J'étais en train de lire le livre Irma dans les années 1900. Et celle-là qui a fondé l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Les problèmes du temps, on les retrouve aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Et je me demande si le ministère de la Santé ne devrait pas être scindé en 2, 3 ou 4 ministères. Ce serait une chose à discuter. On en reparlera dans notre prochaine émission. Là, par exemple, avec un argument comme ça, c'est certain que je n'aurais pas été élu. Hein? Donc, ça vient de régler le problème. Probablement pas. Jean-Louis, merci infiniment. Puis on va se revoir certainement après les élections fédérales où on fera réellement là, un compte-rendu puis on dira ce que c'est que l'on pense J'ai hâte. De cette élection-là. Alors, merci beaucoup, Jean-Louis. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.